إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيسيء الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec l'explication livre à l'usul al-sitt, les six principes, les six bases fondamentales que Cheikh Mohammed bin Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son introduction, lit, et faire comprendre que ces six parmi les bases fondamentales de l'islam, que Allah subhanahu wa ta'ala fait médecin, bien clair dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait des réalités dans une façon qui nous n'avons pas beaucoup à même imaginer. C'est dans l'éclair, mais seulement ensuite de dire, mais ces six bases-là, et quand il veut dire ces six bases fondamentales, par ça nous comprenons qu'un musulman, chaque musulman, concernant sa base-là, il est divisé pour aller. Premièrement, c'est à cause qu'il y a base. Les parmi les bases de l'islam, et deuxième, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une maîtrise bien claire dans le Coran. Mais c'est mal dit, ça six bases-là, il y en a beaucoup, et beaucoup parmi les musulmans qui font mal comprendre, ou bien n'a pas comprendre, n'a pas comprendre lui-même, excepté bien, bien tiki. Et ça, c'est un vrai. Quand il me dit, excepté l'Illah, aqallu al-qalil, excepté bien tiki. Parmi les musulmans qui comprennent ça six bases-là, comme un bizarre, alors ça c'est un vrai qui bien tigide et qui la vérité en vérité lui bien tigide même. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, « Wa in tutwi' akthara min man fil ardi yudhilluka an sabilillah » Si tu obéis à la majorité parmi man qui l'ont la terre, maintenant tu égaleras des bruits chemin Allah. Et comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala le dit « Wa ma yu'minu » أكثرهم إلا وهم مشركون. إذا لا مزوجتي بامي بالنا، زدنا بقى من إيمان إكسبتيك زفر الشرك بكلم سبحانه وتعالى. إن رسول محمد صلى الله عليه وسلم يوصي لين فعلوا كونين كي طول التام بان كي بقى إبغي كومبريانشن بان كي بقى مبرا الإسلام كما ميزا سبيا تجيب بهم أكو سامي ميزا الحديث بدا الإسلام غريبا. L'islam qui commence étrange, Wasayaroun ou Haliba, qui pourrait être étrange, Fatouba, Yel Rouraba, et Touba, une place de Jannah, ou bien un pied de Jannah pour celui, ou bien pour un qui est étrange. Et ensuite, Cheikh Mohammed bin Abd al-Wahhab, c'est introduction-là, nous explique concernant ça dans nos leçons la semaine dernière, et là, il commence à expliquer concernant première base. Et avant de continuer, normalement, nous tirons l'habitude d'écrire dans deux tableaux. Alors, vu qu'il paie dans l'escalier ou paie dans aucun moyen pour nous envoyer ça à côté, madame, connaît qu'il nous parle l'ordre dans nos explications et nous demande, par le frère, par le point important, je copie. Par le point important, je copie. Et dans cette façon-là, par le frère et aussi par le sœur, je suis capable de copier. En vérité, côté par le sœur, dans nos leçons mercredi, c'est la façon la même qui nous fait habituer à faire tous les temps.
Dernier mot, cause à travers le micro, bonne chère, que l'État peut prendre. Nous disons, alhamdoulilah, à chaque fois qu'il nous termine un chapitre, que nous laissons mercredi, nous faisons un test, et à travers la réponse que nous gagnons, nous prouvons qu'alhamdoulilah, les bonnes chères, sont capables d'écrire à travers une explication. Vous voyez, sont capables d'écrire, sont révisés, les là, sont capables de répondre à une question. Alors, il y a quelque chose qui vient par cette Inch'Allah. Un point qui est important pour finir. Et, c'est-à-dire, mais, finir un pour vous autres, ça c'est un point important, afin que vous soyez capable de copier ça, ça va un point. Et toujours, nous rappelons, un frère aussi, un frère qui, à chaque fois qu'il nous termine un chapitre, nous prenons l'examen de la leçon samedi. Et Alhamdulillah, un parmi vous, parmi vous, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire au nom. C'est interdit. Mais seulement pour celui qui connaît, c'est avéré. Et tout le monde qui soit au bas, il y a sa façon. Celui qui connaît, c'est avéré. Il vient de faire un poli. Celui qui mal, c'est avéré, il gagne précis. À travers internet, c'est nous gagnons beaucoup de livres stables. Mais connaît, nous gagnons un bon livre, moi nous gagnons un livre qui va avance. Et il y a beaucoup de leçons, qui vont. Qui peut donner pas mal pour la vérité, et là aussi, beaucoup parmi vous qui dans les gamins, vous êtes sur l'internet. Mais toujours, il y a une facilité. Alors nous, nous avons toujours, par contre, nous avons demandé avant qu'il nous lient, qu'il lient, ou bien avant qu'il m'écoute, qu'il quitte. Et parmi vous, point qui montrait que vraiment l'islam est une vie facile. Allah subhanahu wa ta'ala, et bien nous connaissons qu'il nous facilite pour nous sa dîna. Et le Rasoul Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa dîna dîna yusru. C'est tellement dîna bien facile. Et parmi les points en gros qui montrent que l'islam, c'est une religion qui est bien claire et accessible à n'importe qui celle-là, c'est même à travers Internet, si nous faisons une analyse, remarquez mon frère et ma soeur qui prient beaucoup de livres, qui nous capables download gratuitement. Alors, Internet, c'est un instant. Prie beaucoup de livres qui sont capables de download des bruits. Internet gratuitement, c'est un instant. Quand on a des autres livres, il y a un petit guide qui sont capables de gagner gratuitement l'Internet. Et là, nous gagnons et là, nous payons. Mais quand on a un livre islamique, par exemple, et un livre en arabe, beaucoup de livres en arabe, alhamdulillah, les deux choses sont capables d'enlever des bruits internes. Et Alhamdulillah, il y a quelque chose qui montre que l'islam, c'est un livre qui est accessible pour tout le monde. Et il y a beaucoup de livres qui sont écrits par les ulama, par exemple, beaucoup de livres du Cheikh Mohammed bin Abdel Wahab, rahimahullah, qui vient traduire en plusieurs langages. Et tout ça, là, Alhamdulillah, est accessible à l'internet. Et ça, j'ai dit même qu'on. On tape à l'eau sur le site. Et Alhamdulillah, mon gars, ça arrive à l'eau. Sarafi Publication. Et mon download, finalement, mon petit à l'eau, mon frère qui, je t'ai envie d'enlever direct. Donc, je t'ai pas, on est à l'eau sur. Et l'eau sur, et pour table, je t'ai pas tape à l'eau sur le site. Moi, je sais que là, c'est un des à l'eau sur le site. Et pas nécessaire en arabe, je t'ai pris dans les mêmes. Je ne pourrais aller pour avoir les autres. Mais je prends le Sarafi Publication, je prends ça, livre-là, ou sur les sites, je pourrais. Et la main, les autres livres en cours. Et Alhamdulillah, il a dit en tant qu'un copie devant nous, afin qu'il soit capable de suivre. L'esprit premier, base, qui Cheikh Mohammed bin Abdel Wahab, rahimahullah ta'ala, les bécons concernant ça, dans son livre Al-Usul al-Sitta, un livre qui dit bien, tu me dis, bonne phrase, bien tiquée, mais qui est un grand profit. Il commence par base, il dit Al-Asul al-Awwal, c'est la première base. Et là, quand tu me contentes, Alhamdulillah, il y a un frère qui veut bien prendre, langage arabe avec nous. Alors, Inch'Allah, chaque semaine, si il y a un, parmi ces frères-là, je suis capable de lire ce texte arabe. Je suis capable de lire ce texte arabe, ça vient de l'entraînement. Il y a un harakat, un fatha, kasra. Alors, ça vous donne un moyen pour vous. Pour
vous améliorer votre langage. Alors chaque semaine, nous demandons un frère pour vous lire et pour vous aussi, nous demandons nous, bien sûr, c'est un peu moins. On prendra un petit micro là. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شك بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. Ça c'est la première base des bécons concernant ça. Deuxième première base, c'est l'Ikhlas dini lillahi ta'ala. C'est nos particules. Sincèrement, pour Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, celui qui est unique, la sharika lah, l'épée n'a aucun associé, wa bayanu duddihi, alladhi huwa shirku billah, et sur le contraire, c'est un shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, premier point, première base fondamentale que Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, l'épée concernant ça dans sa livre-là, c'est concernant la tawhid des shirk. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi la base, il fait bien clair dans le Coran, c'est tawhid et shirk. Le Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, qui fait parmi sa six bases fondamentales, qui les fait concernant cela, il commence par tawhid. Qui fait Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans sa livre-là, les bécoses concernant six bases fondamentales qui beaucoup de monde fait mal comprendre oral, les commencent par Tawhid. Premier, chapitre, semaine dernière, premier, c'est les causes concernant Tawhid. Deuxième, les causes concernant l'unité. Troisième, les causes concernant écouter et obéir à un amir. Quatrième, les causes concernant la connaissance des bal ulama. Cinquième, les causes concernant bal awliya Allah. Et sixième, les causes concernant comment un petit mot d'intérêt pour aller sur la parole. Les commence parmi tout, sa six bases qui est bien important, parce qu'il faut une base, qui fait Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, il commence avec le tawhid et shirk. Ça va vous répondre. Ça vous répond. Quand il commence avec la Tawhid, c'est une question qui vient de parce que c'est la même base de tout mal. De tout mal base. Ça va, vous savez, dans la main, quand je t'explique ça, je tiens parce que c'est la même Aslul Usul. C'est la même Aslul Usul, c'est la même base de tout mal base. Tout ce qui nous va faire après, tout ce qui est là après là, c'est pour me perfectionner sa première. Si première là, bon, tout bon. Si première là, pas bon, non, rien à pas. Non, rien à pas bon. Et même concernant le pilier de l'islam, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait, bon, il y a l'islam, il y a l'islam, il y a nos cinq piliers. Et comment soit qui était? Il y a shahadat, il y a la ilaha illallah, wa anna Muhammad al-Rasulullah. Témoignage, qui peut être qu'un vrai ilaha, excepté Allah et que Muhammad, il est messager d'Allah. Ensuite, il dit, accomplir cela. Donne sa carte, garde rosa, bien hajj. Qui fait commence par témoignage, la ilaha illallah, parce qu'il s'inquiète qu'il vient faire mention après là, il repose le premier. C'est un témoin. So, kalimat ou tawhid, il n'est pas réaliste tawhid comme un visin. Mille salat qui fait, mille zakat qui donne, mille rosa qui garde, mille hajj à faire, non, il n'y a pas compte. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il cause concernant le pilier de l'iman, il dit, Al-Iman wa tu'mina billah. Iman, c'est comme un iman de Allah. En premier. Et là, il y a 11 livres, prophètes, les jours derniers.
Ada. Siang jemun, sasai, kifin fi amang shuwa prela, yinan bu aqidah lula, premier la min paru, nyo ina wa profite. Isa Allah subhanahu wa ta'ala, dijia konsen asada, Quran ita la in asharakta, la yahbatan na amalu. Allah dia sofeshik avec Allah, Allah, sofeshik avec Allah, tout au banak shuk, kifin fi, tout d'avid. Et siang jemun, lifin fi namaz, في نماز فرض، في نماز سنة، في نافل، في تهجد، إن قد روزا فرض، إن قد روزا نافل، إن شاء زكاة، إن شاء تيد صدقة، إن ألف حج، فإن سل حج، إن ألف إيزي حج، إن ألف عمرة، عمرة رمضان، إن في بوكو، بو أكسون سلاوي، مي سيلي أن، كلي بان كون رياليس توحيد، كلي بان أدوزيس الله سبحانه وتعالى تسين، إن أدو بالجزء أبوات الله عز وجل connaît que tout ça va être une action qui est faite là, non, n'a pas pour profiter, n'a pas pour gagner une récompense contre Allah, subhanahu wa ta'ala, pour tout ce qui est faite. Et ça montre nous l'importance d'envoyer des gravités, chers. Car vous savez, quand il commence à lire là, il ne commence pas, il ne commence pas ça. Ensuite, il dit, Ikhlas al-Din lillahi ta'ala, première base, il est base de toute bonne base, c'est Ikhlas al-Din lillahi ta'ala, c'est le pratique d'il. Sincèrement, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Rien de mon, quand il peut faire ibadah, et qui veut dire l'ikhlas, c'est d'arco shirki, c'est nous abolir le shirk. Il ne nous permet aucun associé avec Allah, wa ifradullahi bil ibadah. Et nous, alors, si Allah nous fait ibadah, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, quand nous avons sincérité, sur les contraires, c'est chef. Sur les contraires, c'est chef. Par exemple, quelque chose qui nous vient par contre, pour nous réaliser dans le comme on dit, premièrement, c'est, et ça est important, vous êtes réalisé, pour nous réaliser dans le comme on dit, nous disons Ado, Zis, Al. Ça, c'est le premier point important. Nous disons Ado, Zis, Al. C'est lui qui est bien Ado. Et l'autre apporte à Allah, il peut faire chef. Le premier nous dit, Wado Sis Allah. C'est lui qui fait Ado. Et l'autre apporte à Allah, il peut faire chef. Par exemple, si un timon, il y a un côté idole, il demande sa idole là, elle te sauve. J'ai oh, idole. Et il prend son nom. Fais-moi bien, tous les temps, il y a toute sa idole là, il n'y a pas d'adou Allah, il y a aussi sa idole là, il y a un petit monde qui peut faire, chef. Deuxième. Celui qui adore Allah, celui qui adore Allah, et les ados, et l'autre apporte Allah, ça aussi après il peut faire, chef. Celui qui adore Allah, et les ados, un autre ensemble avec elle. Première nous tient, li ado un autre apporte, le pado al. Après ça, fait chef. Deuxième là aussi, fait des chefs. Rien qui gagne, li pado al. Ensemble avec son ibadet, ou al, li pado al le, un autre. Ensemble avec elle. Par exemple, un timon, il peut faire la manche, il peut faire de rosaire, il peut faire de zakat, il peut faire hach, tout ça là, il fait pour al. Mais quand il y a une difficulté, il y a un peu de mandoua. Et doua, c'est un ibadat. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa anna al-masajid al-illah. C'est un mot al-masajid qui appartient à Allah. Fala tad'u ma Allah ahada. N'a pas dit ça à un mot. Elle lutte ensemble avec Allah. Doua, c'est un ibadat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Je te rappelle, il dit à un mot, mais on peut répondre. Et le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-du'a huwa al-ibadah » Du'a, c'est même ibadah. Alors celui qui peut faire amas, peut faire drosa, peut faire zakat, peut faire hajj, peut faire les autres bonnes actions. Mais quand il y a un moment de difficulté, au lieu qu'il y demande avec Allah, il y a un demande avec un djimulmo. Il y a un demande avec un djimulmo, il y a un côté un kabab, il dit « Oh, celui qui peut considérer comme pire, il dit « Oh, pire un thème, fais à moi bien, donne-moi une guérison pour tel mal. Et qui guérison consiste dans la réalité, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un petit peu qui fait cher.
tuman ay ang Quran. Kikos mo sa nasir, aplike do sa dosa peso. Ça, c'est des choses, des exemples qui nous disent que nous avons, par contre, avec nos réalistes en vie, nous puissions restreindre les chiens. C'est nous parlons d'un autre apport à Allah, nous parlons d'un autre apport à Allah, nous parlons d'un autre ensemble avec lui. Troisième point important, pour nos réalistes en vie, comme on disait, quand nous faisons ibadat, nous faisons ibadat sincèrement pour faire la prise. Nous faisons ibadat pour faire Allah plaisir. Qui veut nous faire ibadat, qui nous l'objectif quand nous faisons une bonne action, c'est pour faire Allah plaisir. Et ça, il concerne nous l'intention. Ça, il concerne nous l'intention. Et quand les malfrères et malchères, nous avons un grand djihad pour nous faire dans sa côté. De ce côté-là, nous avons un grand tirage pour nous. Réa, beaucoup, alhamdulillah, première-là, les baladas, deuxième-là, les baladas, mais troisième-là, connaît à n'importe qui moment nos capables tombent là. Qui fait nous dire ça? Parce qu'une fois, le Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les finales coûtent sur le Sahaba. Finalement, quand je suis Sahaba radiallahu anhu, et bien là, je peux cause concernant Dajjal. Là, je peux cause concernant Dajjal. Il dit à M. Sahaba, est-ce qu'il ne m'a pas informé concernant une chose qui m'a plus payé pour ceux qui Dajjal? Est-ce qu'il ne m'a pas informé concernant une chose qui m'a plus payé pour ceux qui Dajjal? Ben Sahaba, je dis à Bala et à Rasulallah, bien sûr, au messager d'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à الشرق الخفي. Et quelque chose qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit pour nous qui Dajjal c'est un shirk caché. Et ensuite il faut décrire qui est un shirk caché. Avant d'expliquer, dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Dajjal c'est sa même plus grand fitna que sa oumatla pour témoin. Fitna qui vous fait sa oumatla plus beaucoup de temps que fitna Dajjal. À cause de même le Sahaba, je ne sais pas quoi concernant le Dajjal, parce qu'il y a une grande fitna, je fais attention à sa fitna là, attrape. Mais les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont joué un jour, et ils connaissent qu'il m'a fait cause concernant le Dajjal, ils disent est-ce qu'ils vont pas informer sur le concernant quelque chose qui m'a pris bien pour ce petit Dajjal? Mais là, une façon, quand vous faites ça, il paraît, une façon, la parole des prophètes, connaît qu'il fait là aucun contradiction. Et puis, ça va pas avoir. Donc, il paraît qu'il y a une contradiction. Et en vérité, il n'y a aucune contradiction. Ça, jamais. Ni dans la parole Allah, ni dans la parole du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que qui vient nous dire ça? Normalement, quand un tissot représente un grand danger, logiquement, c'est ça qui nous implique, vraiment. Un tissot, plus il représente un plus grand danger, c'est ça qui sont là qui nous implique beaucoup la frayeur pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, il y a plus grand fitna que vous traversez le Sahoumatla, c'est Dajjal. Ensuite, il dit comme ça, est-ce qu'il ne va pas informer eux concernant quelque chose qui va plus bien pour ceux qui Dajjal? Il peut paraître qu'il y a une contradiction, mais en vérité, il y a une contradiction. Et nous parlons qu'il vient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus bien pour nous. Rien, quelque chose qui concerne l'intention qui Dajjal. Premièrement, qui veut dire cher pour le khafi, un cher qui cachette, il dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est un timon qui est débouté, il fait un salat. Et là, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, une personne qui est débouté pour lui faire un salat, et il y a une indication là-dedans qui, au commencement, ça dit, sur l'intention, bon, il est débouté pour faire grand ibadat. Et quelques exemples que le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis. Il prend l'exemple qui était namaz. Il est grand ibadat pour un musulman. Après qu'il n'a accepté qu'il m'a tout oublié. Mais il y a une personne qui est déboutée pour faire cela. Et là, il y a une indication, il y a une déboutée au commencement pour lui faire la plaisir. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, il commence à embellir ce soir-là quand il remonte la présence des bannes djibouti. Quand il commence à embellir ce soir-là, quand il remonte la présence des bannes djibouti. Qui fait qu'il embellir ce soir-là là, pour lui montrer sa bannes djibouti. Sur l'exemple, c'est un djibouti, il rentre dans la masse. Mais la personne vient d'un dédié.
Son intention, c'est de débuter différemment, normal, la première raqqa, tu peux dire Alam Tara Kaifa, deuxième raqqa, tu peux dire Lila Fekoura. Ensuite, il remarque que Massif fait une prête. Il va se faire vraiment dire une nika de Massif. Il va connaître une vie normale, à petit qu'il descend, il pense qu'il descend tout le monde. Mais, après un petit moment, le tour Massif est rempli. Quelle est l'intention de Tienali pour les dire Alam Tara Kaifa, Lila Fekoura? Mais quand les troubazis remplis avec Timon, ils sont sur l'intention. Ils disent non. Il y en a beaucoup de Timon. Donc, pour lire la première rakaï, Amma yata sa'aroul wa nazi'a. Pour bien long, beaucoup, long sasa. La deuxième rakaï, Abasa wa tawalla, il a chamsu kouira. Complet. Long, beaucoup, long sasa. Qui vient de dire ça? C'est pour montrer ça à Timon qui présente la masse-là, qu'il est fait long la masse. Il fait long la masse. C'est là sur l'intention, mais il finit sans vie. Qui vient lui faire une amance pour lui montrer sa ventimote qui vient rendre l'amance. C'est lui qui lui peut faire l'amance. Avec sa intention-là, il rentre sa hadith. Et c'est l'exemple qu'il nous prend. Alors, connaît qu'il n'est pas empêché de faire une amance. C'est lui qui rentre l'amance avec l'intention pour lui faire un long salat, qu'il y soit un ventimote, qu'il y soit un ventimote, pour lui ça, par représentant. Et sur l'intention, c'est une seule intention. Nous ne pouvons pas dire pour ça, rien. Et fais attention, l'intention ne peut pas passer sur personne. Tu vois, tu fais une avance, on n'est pas dans le sujet. Ça, tu peux faire une avance contre le 17 mois, ça non. Quand vous même sur l'intention, c'est faire une avance pour faire la plaisir. Mais l'intention ne peut pas passer un frère sur l'intention. Mais si elle m'a mal frère, ça gagne parmi nous, individuellement, son propre intention, il connaît. Par exemple, moi, je vais débouter pour faire ça. Vous connaissez que je vais faire ça là. Parce qu'il concerne moi ça. Est-ce que mon intention c'est pour faire la plaisir ou bien pas pour faire la plaisir? Ou bien pour gagner un titre avec Timon, pour me gagner un rôle avec Timon, pour Timon, blaguement. Ça, moi, je connais avec qui l'intention pour faire telle action. C'est-à-dire individuellement, chaque individu il connaît sur l'intention. Et nous avons qu'à cause de ça, c'est ce moment-là, nous avons plaisir. Qui vient des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, l'implique à Ria, et après ça, Ria, fait une action pour montrer les sentiments. Après ça, Ria, et il y a l'autre qui appelle Souma. Et Cheikh Abdul Razak al-Bada, les causes de la différence entre les deux, dire Ria, c'est pendant qu'un démon peut faire action, et Souma, c'est quand un démon est fini de action. Il donne ça la différence. Ria, c'est pendant qu'un démon peut faire action. Ou bien même avant, c'est-à-dire avant qu'il commence l'action là, il peut faire ça avec l'intention pour montrer les sentiments, ou bien pendant l'action là, il sent sur l'intention pour lui montrer les sentiments. Ça fait Harry, Ria. Il peut faire ça pour montrer les sentiments. Soum'a, il dit ça vite après l'action. Il veut dire Soum'a, c'est-à-dire un timon. Il finit par l'action. Par exemple, vous levez le matin, vous le faites à l'autre. Vous levez 4 heures du matin. Personne ne va quoi. Et c'est l'islam qui nous encourage pour nous faire une action que nous avons appris sincère envers lui. Si nous remarquons, à cause de ça, même il y a un amant, c'est un hajjoud. Parce que c'est un lien qui tout le monde dormit. Quand nous faisons la case, tout seul, personne ne va pas. Et ça prouve nous sincérité envers lui. Et dis-moi, il est levé, 3h du matin, c'est pas 4h du matin, il fait un hajjoud. Fini, fini. Ensuite, pendant la journée, chaque démon qui dit ça, 4h du matin, vous levez, vous faites un hajjoud chez la gola. Il n'est pas d'envie. Bon, il a deux possibilités. Soit vraiment, il a envie d'informer du monde qui tient un gros appris à l'air là. Ou soit, il a envie d'informer du monde qui est levé pour ta radio. Et il peut faire publicité avec son action. Il ne faudrait pas nous faire publicité avec nous, action. À cause de ce hadith, le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit avec ça le kitab al-Tawhid concernant quand Ballat il trouve étoile. Filant, un long hadith, dans la haine parmi les tabi'is, les dire qui montrent trop étoile filante les matins, ensuite qu'il les dit. Il dit, mon père, tu peux faire salat. Il dit, mon père, tu peux faire salat. Et il donne raison qu'il vient de se lever sa lien là. Il dit, parce qu'il y a des scorpions typiques. Il dit, là, par contre, il fait salat, parce qu'il va faire salat.
Je suis pépé, attention que je tombe dans l'âme. Pour ça, il est précis. Ça dit, on va te pépé sur l'âme. Attention que ça dit, on a le corps. Quand il peut dire qu'il t'aime les amants de trouver étoile finale, il peut retirer pour ça qui est. C'est-à-dire, il est levé pour faire la main de master à tout ça. Attention, ça dit, on a compris. Il dit, je peux faire la master à tout ça. Il dit, non, moi, je peux faire la master, mais ça l'est là, les scorpions qui piquent moi, vont lever, vont trouver étoile finale. Et bien, ça là, tu peux dire beaucoup de rapports. Donc, mon frère, c'est-à-dire, ça est une chose qui nous besoin faire beaucoup attention. On va nous dire qu'à ce temps maintenant, qui fait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'une plus pire, rien que nous qui d'Adja. Cheikh Fawzan, hafidhahullah wa ta'ala, explique à son kitab ou tawhid, de son livre, l'Ialat al-Mustafid, il y a un adhérent. Et le premier, c'est parce que fitna, Dajjal, les poutous en parti. Les poutous en parti de sa oumane. Depuis que Adam a l'air salam qui vit dans la terre, jusqu'à aujourd'hui, tous les savants du monde qui vivent et finissent là, je ne peux pas traverser ma fitna Dajjal. Et nous aussi, jusqu'à l'air, nous ne pouvons pas traverser ma fitna Dajjal et qu'il y a la protection contre son fitna. Il prend la vie avant qu'il y apparaisse dans ça, dans la terre. Et ça doit être besoin de faire ça. C'est à tout qui arrive dans le dernier. Et la fin du monde, il y a beaucoup de monde qui a des causes pour qu'on ait déjà envie de déjà apparaître. Si tu as un content qui est rôle, on est parce que tu as envie de déjà apparaître pour qu'on ait rôle. Et en vérité, quand déjà apparaît, on sait que les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous, c'est sauvé. Il n'a pas le VRI, c'est le VRI direct sur la société à faire. Bien écoute. Alors, première raison, c'est parce que Fitna Dajjal, il va mettre tous 5 membres de sa matale. Il va tous être parti, même qui peut vivre dans l'époque, qui peut apparaître. Tandis que Ria, il est capable de tous n'importe qui s'en est de sa matale. Prends depuis l'époque des prophètes, ou bien avant même. Depuis Adam, il est salé jusqu'à aujourd'hui, il est capable de tous n'importe qui s'en est. Il garde tout soin, il garde tout soin. Aujourd'hui, où l'intention est bonne, demain, où l'intention est capable de s'enlever. C'est une chose qui vous a fait bien attention. Ça, c'est la première raison que je n'ai pas besoin de lui donner. Deuxième raison qu'il lui donnait, lui dire Fitna Dajjal, c'est un fitna qui est apparent. C'est-à-dire, c'est lui qui a la connaissance, il n'a pas de conscience de Dajjal, mais Dajjal va apparaître, il faut connaître, ça, c'est Dajjal. Dans le titre qu'il y a, c'est un fita qui ne parle pas. Il dit moi, je peux faire l'avance. Il y a un seul imam. Elle a sur l'intention capable, elle a sur l'intention pas. Quand nous avons, ça dit là, on peut faire l'avance. Nous avons distingué, il s'en a entraîné sur l'intention bon. Et que ça va que sur l'intention pas bon, impossible. Parce qu'on savait que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a Ria, plus que plus, pour nous qui d'être. Alors nous disons, pour nous réaliser, tant pis, c'est faudré. Nous, à nous, nous, s'il ne faudrait pas, nous l'intention, derrière une bonne action qui nous peut faire, c'est Dunia. C'est Dunia avant guerre personnelle. Ou bien, et l'argent. Il ne faudrait pas que l'intention vienne l'argent. Par exemple, on n'est pas capable de lire le Coran pour gagner l'argent. On n'est pas capable de lire le Coran pour gagner l'argent. Mon objectif, c'est gagner l'argent. Mon objectif, à l'aide de moyens solidaires, pour qu'on ait un courant, alors moi, il y a un courant partout, pour que je vous donne moi l'argent. Pour bien tant que vous gagnez l'Union, et ça va qualité de l'Union, Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui a envie de donner l'Union, il a fini sauf une réserve pour l'Union, dans l'enfant. Et ça capte ce genre qui nous prend compte tous les deux. N'importe qui travaille, qui nous fait aller avec une bonne intention. Pour nous dire, Alhamdulillah, nous l'avons appris dans le tawhid, premier, deuxième, là, Alhamdulillah, nous ne connaissons qui n'est pas permissible pour attendre la main avec un autre important. Mais en ce qui concerne nous, l'intention va être vraie, nous devons faire beaucoup attention. Chaque fois, nous ne pouvons pas nous au premier rang, nous ne pouvons pas nous au deuxième rang,
les prophètes tous les faux pour les gagner ou non, on ensemble on vient quatrième. Qui tous les temps nous révise ou l'intention, nous n'avons pas fait un bon travail pour nous gagner titre, pour nous gagner rôle. Ou bien pour Timon Blanc, pour Timon Blanc, nous, et aussi, il ne faudrait pas nous mettre un qui nous compte faire publicité avec le mal, avec le mal, bon action qu'il nous fait. Oui, parce que n'importe qui va aller qui nous fait, mais nous avons fait ça avec l'intention, comme quand nous disons que nous sommes sincères envers Allah. Dès qu'on attend que nous faisons une action, nous avons une récompense avec ça. Avec Allah. Allah qui nous récompense. Mais quand nous faisons une action, nous avons une nous avons existé dans l'autre. Nous faisons une action, on ne sait même pas faire là. Le problème, c'est faire dans l'autre. Mais finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, on est dans la Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala pose conseil à ça. Et dire ça va là pour celui qui a l'envie, pour donner le nia là et pour brûler là, j'y fais l'enfer. Et pas comme nous avons cause pour scénario, ça aussi est un point important. Je dis, quitte une action à cause de l'une, ça aussi rend de rien. Quitte une action à cause de l'une, je dis ça aussi, ils font partie de l'une. Je prends l'exemple. Bonne minute, je vais avancer. Troisième. Et qui normalement, à 104, vous connaissez mon troisième mina, pas pour une rien sur le d'avance. Alors, vous avez envie de faire une bonne avance, la file des racades, mais dans les temps, on dit, bon, libre, vous avez dit, on va personne ne va vous convenir pour faire l'avance, pour dire, l'on sera la première des racades, l'on s'asda, l'on recours, tout à fait. Vous avez d'avance, vous pouvez dire, si vous voulez, vous avez dit, déjà d'avance. Attention, si vous faites cette avance là, ça va dire que vous n'avez pas le corps. Vous faire cette avance là pour montrer que vous pouvez faire un quartier la main. Ça aussi va. On fait l'intention pour faire une bonne action. Pour faire la soukane, on va faire une bonne action. Pas qui est une bonne action à cause. Ça aussi va, on va dire, ils font partie de rien. Sinon, tu vois, c'est toi qui vous avez dit. Et c'est toi qui l'a dit, on va t'accouper dans n'importe qui va se faire. Et à chaque fois qu'il vous refait une bonne action, il vous dit attention, qui dit monde pourquoi. Tu peux faire ça pour montrer que je ne peux pas faire. Et nous comprenons que vous-même, de bonne action. Alors, ça, c'est un point important qui est un concernant, concernant le lien. Donc, on arrête là même. Je pensais qu'on finisse l'explication là, mais on va dire ça va être point là, il est bien important. Inch'Allah, la semaine prochaine, l'esprit, ça va être phrase du chef Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et fait une pensée. En vérité, Taurid, il n'est pas possible aussi parce que tu as bien mis attention. Taurid, va aller d'une naissance jusqu'à nous aussi dans le fond d'esprit. Et c'est lui qui dit que ça va maintenant virer pour rien et son rapida. C'est vrai que je ne sais pas quoi le barrière. Après, je ne sais pas pourquoi il veut dire Taurid, parce que ça nous pose la façon. Parce qu'ici, moi, nous comprenons, c'est pour un an entier, c'est Taurid. Je ne comprends pas de qui va sur la semaine prochaine déjà. Pour un entier, en début commencement jusqu'à finition, c'est juste à oublier. Dans la relation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en début commencement jusqu'à finition, c'est juste à oublier. Par exemple, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, avant les mots qui disaient La'anatullahi ala al-yahudi wa al-nasar. Malédiction à l'âle, man suivre, man chrétien, il t'a fait un kubur, un biais, il m'a dit Je ne prends pas barbe, mais je ne prends pas le prophète comme massif. Si nous réfléchissons, qui utilise les prophètes qui disent par le mariage sur le Sahara? Pas de guider ça dans ta vie, ça fait les grosses ta vie avec nous. C'est parce qu'il est important. Et chaque temps, quand il dit n'importe quel moment, il va t'en. Et Ibrahim alayhi salam, pourquoi Ibrahim alayhi salam, qui dit Wajnoubni, wabani, yahanna, abudal, asnam. Et Jawallah, protège-moi. Et protège mon garçon contre l'adoration des balles, il veut pourtant que ça n'a pas ça. Ibrahim alayhi salam. A cause d'Ibrahim, à Taïmi, rahimahullah ta'ala, il dit Wame yakmanul bala ba'da Ibrahim. Il dit qui ça n'a qui est capable de sentir en sécurité pour un chèque après Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il dit c'est lui qui est venu faire da'wa, bientôt. Il connaît comme l'imam ou le punafa. Il finit dans les courages.
pour les grâces d'idole. Le final est courage tout seul pour les débrouilles contre son peuple. Les filles construire table. Son soumission à Allah. Les filles accepter pour les héros son garçon. Ensuite, qu'il veut dire oh Allah, protège-moi et mon garçon pour ta loi, son mal et lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui disent ça n'est pas pour nous, ça nous ne pas faire seul. Et quand vous êtes sur la vie, on vient avec vous. Et pour nous capables de recevoir dans les mains, c'est pour nous prendre concernant les mains là. Les musulmans nous apprennent, sinon, Allah va se poser concernant les mains du Coran. Et les Sahabi, Hudhayfa ibn al-Yaman, dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. إجابة الجمهور بديمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة لي وكنت أسأله عن الشر. جمهور بديمان مسألة لي مال كيف يا؟ أقول لك لي مال لو جمع خافت أن يدركني. إجابة الأخرية تشوف متون دسا لي مال. أن بيسون بولي فوتيزمن بوشيل إجابة كتير. Pour protéger même pour le bida, nous apprenons qu'il était bida. Pour ça, nous ne pouvons pas prendre. Cheikh Mohammed bin Abdel Wahab, qui va aller dans son papier, de la même qui nous peut expliquer les boutiques, où c'est un bâtiment, alors, bâtiment qui est une vie de Tawhid, pour ce que c'est un peu de Tawhid. C'est même qui peut adorer le monde, c'est ça même qui peut réaliser. Et tout même qui peut adorer aussi, ça l'a, c'est même qui peut réagir. Quelque chose qui n'y a même pas de réagir. C'est quand je parle d'apprendre concernant chercher des chefs. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la compréhension et il fait nous réaliser le tawhid, il prend nous la vie de tawhid, inshallah.